plus de 1000 kg de cocaïne saisie au Sénégal. Vous savez, la méthode, ça passe à Conakry. Ils vont juste du côté du Mali. Vous savez, le Mali, la Guinée, c'est l'amitié, c'est la confiance. Mais la douane sénégalaise, l'agence de lutte contre la drogue, là-bas, ils ont compris le mécanisme. Dans ces deux jours, on a entendu à Conakry qu'ils ont pris plus de 3 tonnes. Ils pensent que non, qu'ils peuvent distraire le monde entier, qu'ils peuvent distraire les Américains, les Européens. Il y a de cela un mois, je vous ai dit, sous le CNRD, quand ils venaient juste d'arriver, la douane guinéenne faisait très bien leur boulot parce qu'ils ont été assermentés. Mais lorsque le CNRD s'est vu malmené par la douane guinéenne, ils ont fait des remaniements, ils ont enlevé les patrons de la douane et les ont fait remplacer par des hommes que eux ils veulent. Incroyable. Qu'eux, ils ont arrêté, ils ont saisi 3 tonnes. On ne voit pas la quantité. On ne voit pas les hommes qui sont derrière. Auparavant, dans le passé, ils avaient saisi encore 3 tonnes où on avait vu le ministre de la Défense, à ce moment, Charles Wright. Charles Wright était là. Que c'est pratique, c'est fini. On ne va plus voir ça en Guinée. Mais je vais dire au CNRD, voici l'une des raisons du coup d'État. C'est-à-dire, j'ai dit aux Guinéens, mais les gens n'ont pas compris. Avant le coup d'État, l'atmosphère, c'était quoi? Moussa Moïse, aujourd'hui, qui est ministre, à ce moment, il était dans la radio. À ce moment, attendez, il y a un maudit ici, la cause de Traoré. Attends, je vais bannir cet imbécile-là. Alors, dans la déoumba, il y a un maquotaï là, dans la page Kokayano. Donc, Moussa Moïse était à la radio. Il était inspecteur Colombo. Les têtes dans l'affaire de drogue étaient connues. Mais Moussa Moïse n'est jamais sorti pour nous dire quels sont les gourous, les patrons de la drogue en Guinée. Moussa Moïse ne l'a pas fait. Aujourd'hui, aucun média, personne ne peut parler de ça. Si vous vous rappelez bien, Mohamed, qui était à FIM, qu'on a nommé, je ne sais pas, diplomate quoi, il avait touché ça, il avait dit la Guinée est devenue la plaque tournante de la drogue. Ça n'a pas duré, on a vu Mohamed, bouf, on a fermé sa bouche, on lui a donné une promotion. Il est devenu diplomate automatiquement. Et le CNRD, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il faut qu'ils arrêtent. Et je vous ai dit, c'est l'une des raisons du coup d'État. Parce que le président Alpha Condé déjà était informé de tous ceux qui étaient dans ce sale boulot. Voilà. De tous ceux qui étaient, voilà, dans le sale boulot, dans l'affaire de drogue. Regardez, toujours, hein, des saisies records au Sénégal. Des saisies records au Sénégal. La drogue quitte l'Amérique du Sud pour venir en Guinée facilement. Mais pour faire sortir ça, comme ils sont amis avec le Sénégal, il faut essayer... Attendez, je vais bloquer encore une autre dame ici. Il faut essayer de tromper la vigilance des douaniers sénégalais. C'est-à-dire qu'il faut envoyer le colis du côté de Mali. Mais c'est là-bas, ils ont tapé poteau. Voilà. Vous pouvez taper drogue Sénégal. Vous allez voir les images. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Excusez-moi. Il y a deux jours de cela. Deux jours de cela. Le bon boulot de la douane sénégalaise, comme vous le voyez ici en image. La douane sénégalaise a saisi plus de 1100
1137 kg de cocaïne. Bravo, Alignana, CNRD. Vous êtes souvent une honte. Bala Samoura, que vous avez arrêté 3 tonnes, où sont les responsables? Bala Samoura, quand vous dites que vous avez arrêté 3 tonnes, ça veut dire vous avez saisi 3 tonnes de cocaïne. Je vais vous donner la valeur marchande. Vous-même, je peux mettre devant vous, vous allez voir, selon les autorités sénégalaises, la valeur marchande de 1137 kg de cocaïne est estimée à 98 milliards de francs CFA. Supposons ça, c'est 100 milliards de francs CFA. Est-ce que 100 milliards, on multiplie ça par 20, non? En francs guinéens. Ou à combien? 18. Multiplier 100 milliards de francs CFA à 18. Ou à 16. Prenons 16. Le montant que ça va nous donner. Et le CNRD nous parle de 3 tonnes de cocaïne. Ça, c'est la valeur. Hein? De 1137 kg. Donc, il faut qu'ils arrêtent de jouer avec les Guinéens, le CNRD. Vous pensez que vous êtes blanc comme neige. Vous le saviez bel et bien que vous êtes noyé dans ça là. Et l'affaire là, ça ne va pas vous laisser. Les Américains. Il y a un ancien président d'Équateur qui a été extradé aux États-Unis. Il y a un général de la Guinée-Bissau qui a été extradé aux États-Unis. Vous n'avez rien vu. Hein? Voilà, on dit par 16. Multiplier 100 milliards de francs CFA par 16. Combien ça donne en francs guinéens? Et ce montant, vous multipliez ce montant encore par 3. Parce que eux, ils parlent de 3 tonnes. Je vous dis, c'est incroyable. Comment eux, ils peuvent saisir une marchandise d'une valeur de 300 milliards de francs CFA? Il n'y a pas de responsable. Je vous ai dit depuis le départ, avant l'arrivée du CNRD, dans la sous-région, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, partout, on n'a jamais entendu des saisies records jusqu'à 3 tonnes de cocaïne. C'était des records, 1 tonne, 2 tonnes, 3. Ça dit jusqu'à 3 tonnes. Non. Que Dieu nous aide. Hein. Mettez les cœurs, ils veulent saboter. Mais vous allez vous fatiguer. Ça, c'était le cas de la drogue. Moussa Moïse, c'est vous qui étiez inspecteur Colombo et vous devez sortir pour venir dire aux Guinéens quels sont les responsables, les barons. Voilà. Et Baouri. Baouri, ah la politique. C'est que pour Alpha Condé, c'est foutaise. Je vous dis, pour Alpha Condé, c'est foutaise. Il s'est battu. Il a refusé d'être premier ministre au temps de feu général à Sarkozy. Personne. Il s'est battu pour donner des barrages, tout à la Guinée. On dit non qu'il n'a rien fait. On dit non, le président Fakonde n'a rien fait. Baouri qui est devenu le premier ministre des putschistes. Baouri qui est devenu le premier ministre des putschistes. Il dit que la Guinée ambitionne d'organiser une CAN plus belle que celle de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es premier ministre des putschistes. Toi, tu es là pour la transition. La transition, normalement, sur papier, il ne reste que quelques mois. Béa est venu ici. Que la seule chose qui va empêcher la Guinée d'organiser la CAN, que si on lui met une balle dans la tête, lui, il est parti. Baouri aussi. Voici Baouri qui vient, qui dit encore que la Guinée ambitionne d'organiser. Les routes que les autres ont commencées, jusqu'à présent, la route nationale, ce que les autres ont commencé, vous n'avez pas terminé. Vous n'avez pas terminé ça. Affaire d'électricité, ce que le FAMA a fait, même ceux qui n'aiment pas le président Fakonde, ils ont été reconnaissants envers le président Fakonde. On dit non, on peut tout dire. Troisième mandat, quoi, quatrième mandat, mais le président Fakonde, il s'est battu pour que les Guinéens aient l'électricité. Mais depuis le départ du président Fakonde, c'est comme si le président Fakonde est parti avec son électricité. Ça dit, c'est pourquoi quand j'ai dit aux gens, non, les baraques sont là-bas. Mais le président Fakonde trouvait d'autres moyens pour combler ce déficit. Mais le CNRD aujourd'hui,
Ils n'ont plus d'argent pour payer les compagnies privées. Ils ne peuvent pas les payer parce qu'ils ne savent pas gérer. Baouri, transition, il reste que quelques mois. Quelle ambition. Le premier, celui qui était le ministre des Sports, Béa, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Avec la CAN ou sans la CAN, qu'ils vont construire des stades. Ils ont construit combien de stades? Arrêtez de jouer. J'ai dit aux Guinéens, les deux mois à venir, c'est là que vous allez sentir la galère. Vous entendez la galère, vous touchez, ça dit, mais vous allez bien sentir, la galère va rentrer dans vos corps les deux mois à venir. Le CNRD, ils ont tout dilapidé. C'est comme quelqu'un, je prends l'exemple sur moi. Je sors, je fais mon Uber, je fais 300 par jour. Ma dépense, c'est 95 dollars. Et 295 dollars. Donc, je vais épargner 15. Maintenant, si je me mets à dépenser le double de ce que je gagne, je vais vivre comment? C'est pas endetté. Le CNRD est venu trouver beaucoup d'argent. Demandez les anciens dignitaires. Eux, quand ils parlent de la CRIEF, le président Fakonde, avant les élections de 2020, demandez les gens, tous les ministres, les comptes étaient gelés. C'est-à-dire les dépenses, le président Fakonde devait voir clair dedans. Demandez la campagne 2020. Si un ancien dignitaire avait reçu un montant, peut-être que les partenaires, les alliés du RPG, mais personne, leur compte était déjà gelé. Ils n'ont reçu 5 francs de qui que ce soit. Donc, le président Fakonde avait fermé tous les tuyaux. L'argent était dans nos caisses. N'oubliez pas, la Guinée, nous avons connu Ebola, Covid, manifestation, crise politique, élection avec des fonds propres. Ça veut dire, si ce n'était pas la bonne gestion, est-ce qu'on pouvait avoir tout ça? Malgré que l'opposition criait haut et fort, disait que non, il ne faut pas donner quoi que ce soit à la Guinée. Mais c'est la gestion du président Alpha Condé. Ça veut dire, il avait fermé le robinet au ministre. Le CNRD vient, il trouve du gâteau devant eux. Mamadi n'a aucune compétence, Mamadi n'a aucune expérience. Les gens viennent, ils commencent à voler. Je vous ai dit le cas le plus grave, Anaïm. Anaïm, depuis l'arrivée de ces gens-là, on nous parle de plus de 500 milliards de dépenses. Ça dit, qu'est-ce que ce département a apporté à la Guinée? 500 milliards. Un proche de Doumbouya, à lui seul, il fait sortir plus de 70 milliards de nos francs. Plus de 14 millions de dollars. Un individu, ils sont en train de construire aujourd'hui un peu partout à Conakry. La Guinée, on vous a dit, hein, n'aimez pas le président Fakonde, hein, mais ce n'est pas ces gens-là qui pouvaient faire mieux que le président Fakonde. C'est incroyable. Ils ont vidé nos caisses. Chaque fin du mois, demandez. C'est encore les banques privées. C'est encore les banques privées. J'ai expliqué la dernière fois le mécanisme. Ce qui fait aujourd'hui que nos banques, tout est fauché en Guinée. Des gens comme les Bala Samoura. Des gens comme les Ousmane Doumbouya. C'est-à-dire, Anaïm dont je parlais là, c'est les Ousmane Doumbouya. Qui ont mis ces compagnies en faillite, des vauriens, des vagabonds de grand chemin. Des vagabonds qui étaient couchés quelque part en Europe. Ils n'ont jamais travaillé à la mairie, même nettoyé. Ils n'ont jamais fait. Parce que Mamadi prend, c'est une connaissance. Ça dit Koufi régime. Kadiamana Kouno tient. Partout où il y a l'argent. Kadiamana Moumé Wari. Ils prennent l'argent, ils font sortir tout. Des bandits comme ça. Côté des mines, lorsque le président Alpha Condé était venu, vous savez, les compagnies pétrolières, Total et ainsi de suite, étaient là. Ils avaient le monopole de tout. Nos mines, ceux qui vendaient, parce qu'on ne transforme pas en Guinée, au moins si on transformait, on allait créer d'autres emplois et l'État allait gagner plus. Mais malgré ça, on vend, on gagne. Mais ceux qui vendent aussi la bauxite, s'il n'y a pas de compagnies privées, des Guinéens dedans, comment est-ce que nos banques en Guinée peuvent avoir de l'argent? Tous ceux qui viennent, Fazi Wazni,
Wazni n'a même pas de maison en Guinée. Wazni n'a pas de maison en Guinée. Wazni, aujourd'hui, l'État guinéen prête de l'argent à Wazni. Pourtant, c'est l'argent des Guinéens. Wazni est venu au temps du président Fakonde, il avait quoi? Il avait quoi? Mais le président Fakonde avait fait la compétition, donné la chance à des Guinéens. Beaucoup de Guinéens qui avaient des permis, eux aussi qui vendaient comme les autres. Quand ces Guinéens-là gagnent, ils envoient en Guinée. Mais lorsque ces expatriés-là, les Indiens qui sont là-bas aujourd'hui, les Émiratais, les Français, les Américains, quand ils gagnent, ils envoient dans leur pays. Et Wazni paye l'impôt où? En France. Ce qu'on paye à la Guinée, c'est zéro. Zéro. On nous dit les chiffres d'affaires de la bauxite de la Guinée. On nous parle de 40 milliards. Combien la Guinée gagne dans ça? Chiffre d'affaires annuel. Chiffre d'affaires annuel. 40 milliards de dollars. Et qu'est-ce que nous gagnons? Pourtant, c'est Mamadi qui prenait Alain Foucault pour venir. Moi, je vous avais dit, c'était de la propagande. Oh, notre bauxite, depuis combien d'années? Depuis l'indépendance, on est en train de bâcler nos... Nanani, nanana. J'ai dit, voici des ignorants. Parlez pour parler. Je vous ai dit, c'était de la démagogie. Mamadi, lui, il est au palais, il n'est pas au courant. Bala Samoura, aujourd'hui, qui a des camions dans les mines. Bala Samoura. On retire les titres des Guinéens. C'est-à-dire, on les prive, on laisse des Chinois qui ne viennent avec rien du tout des Hindous. Parce que dans les bureaux, quand c'est complexé de Bala Samoura, des Amara, reçoivent ces gens, on leur donne des billets verts, 100 000, 200 000. On leur dit chaque fin du mois, on va vous donner ça. Pendant ce temps, on est en train de vider, de piller nos richesses. Regardez Dubaï. Malgré qu'ils ont des comptes aux États-Unis ici. Mais tous les directeurs, c'est-à-dire même un Français, tu pars à Dubaï, tu veux construire Sofitel, le directeur ou 51% des actions, ça doit être un Émiratais. Et c'est ce que le FAMA, le président Fakonde, avait compris sans faire de bruit. Donner la chance à des Guinéens pour que nos richesses là restent à la maison. Ils n'ont pas compris. On est en train de piétiner ces Guinéens-là. Ils sont nombreux aujourd'hui. On les retire, les permis. Ils sont complexés devant leurs frères. Pour eux, ils sont en train d'aider le pays. Quelqu'un qui vient prendre la marchandise de chez nous, il va vendre. Il vend et prend quelques intérêts, 15%, pour donner à l'État. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais au moins, des Guinéens, si la majorité, si ce sont 15%, de ceux qui vendaient la bauxite de la Guinée étaient des Guinéens. Je vous jure, la Guinée ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que nous dépendons de ça, de la richesse du sous-sol. Dieu nous a donné ça. Et si on n'arrive pas à faire comme les Émiratais, avec leur pétrole, la Libye, au temps de Kadhafi, comment il a nationalisé ça? Je crois que c'est Indonésie, de la manière dont la Guinée était. Mais regardez aujourd'hui le changement de l'Indonésie par rapport à la Guinée. Et c'est ce que leur président a fait. Les Chinois qui venaient là-bas, il les a dit de transformer. Et il a nationalisé. C'est devenu pour eux. La richesse est restée pour chez eux. Mais chez nous, on nous parle de 40 milliards de chiffre d'affaires. On ne gagne même pas 300 millions dedans. Mais pour changer ça, c'est tellement facile qu'on n'a pas besoin d'être un grand économiste. On explique à ces totos qui sont là-bas, des gens comme les Bala Samoura. Ils ne comprennent pas ce qui les intéresse. C'est les 500 000, les 1 million que eux, ils gagnent, peut-être annuellement. Pendant ce temps, ces compagnies-là font des milliards sur le dos du contribuable guinéen. Et quand ils gagnent cet argent, comme je vous ai parlé, l'exemple frappant, qui me choque, c'est Fazi Wazni, qu'on dit un homme d'affaires en Guinée aujourd'hui, qui exploite nos mines. Il n'a pas de case. C'est-à-dire, il est logé en Guinée. Il est logé. Voilà, merci. Ali Assouma, le cas d'Australie. Non, Australie en avance, Corée du Sud, tout ça. Mais tant qu'on ne le fait pas, ça n'a rien à voir avec Alpha Condé, ça n'a rien à voir avec Doumbouya. C'est nous-mêmes qui devons changer ces mentalités. Ce n'est pas affaire de Alpha Condé, ni Selou Dalé, ni Sidya Touré, ni Mamadi Doumbouya. Ça, c'est l'affaire des Guinéens. C'est notre richesse. Il faut que c'est nous, les Guinéens, qui devons prendre le devant des choses de la manière dont les Arabes ont fait, mettre leur intérêt avant tout. C'est pourquoi on dit à Dubaï, les gens ne travaillent pas. Oui, les autres viennent, ils créent des sociétés. Mais il y a un Arabe qui a 50% dedans.
C'est notre bauxite. Ça nous appartient. Comment un Chinois va venir, il devient le patron? Lui, il vient, souvent, il n'a rien. Nous, on peut prendre de l'argent auprès des banques, faire comme les autres. Les camions qu'ils ont, les machines, voilà, qui extraient la poudre, tout ça. Des Guinéens aussi ont ces moyens-là. Mais au lieu de donner le monopole à des Guinéens, quand vous prenez le cas d'Antoine Soare, les KPC, vous voyez, au fur et à mesure que ces hommes d'affaires, les Bakary Diaby, gagnent de l'argent, vous voyez le changement. Antoine Soare et KPC, ils sont dans le sport. Mais regardez les infrastructures sportives. Regardez ces clubs en compétition africaine. Hafia et puis Atletico. Vous avez vu le changement? Ils investissent chez eux. Ils investissent quand ils sont beaucoup. Le pays, on voit le changement. Ce n'est pas l'État qui peut tout faire. Aux États-Unis, ils ont presque tout privatisé. On donne la chance à ces privés-là. Mais chez nous, chez nous, ils sont complexés. Ils se disent quoi? Ils se disent quoi? Qu'au temps du président Alpha Condé, ces gens-là ont eu ces permis. Donc, c'est des gens qui vont soutenir Alpha Condé, qui vont soutenir le RPG. Voici des mentalités qui bloquent. Nyangbouya, Africain. L'Africain, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas avancer. L'Africain. Non, si lui, on lui laisse, l'argent qu'il va gagner, il va venir contre nous. Allah. On fait souffrir des familles, tout un pays. On met l'économie d'un pays à terre à cause de leur intérêt. Ben là aujourd'hui, montrez-moi un doigt, montrez-moi un gendarme de la sous-région. Quand on dit les pays qui sont un peu développés que nous, on va parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Mais allez-y voir celui qui gère la gendarmerie en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, dans quel genre de véhicule ceci roule. Et Bala Samoura aujourd'hui, allez-y voir les chantiers de Bala Samoura. Allez-y demander. Il pense que je ne suis pas au courant. Le monsieur qui a Tombolia, qui gère ces camions-là, pour lui, on n'est pas au courant. Aujourd'hui, allez-y à Topaz. Bala Samoura. Ça dit, toutes ces entreprises, Bala Samoura aujourd'hui, il est actionnaire presque. Pourtant, on disait, on racontait des salades sur Dr. Kassori ici, le premier ministre. Et voilà. Elle t'est changée. Vous pensez que ça, là, ça va être éternel? Vous pensez que ça va être éternel? Vous pensez que ça va être éternel? Ça fait 24 heures. Les gens de Yimbaya, il y a des quartiers, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu le courant. 24 heures. Même, comment je vais dire ça? Le signal pour l'Internet aujourd'hui, tout est bafoué. Parce que ces poteaux électriques, je vous ai dit, au temps d'Alpha Condé, ils ont abandonné les groupes électrogènes au détriment du courant de EDG. Donc aujourd'hui, si EDG n'envoie pas le courant, c'est ce qui fait que les Guinéens aujourd'hui, ils ont du mal à se connecter encore. Mais c'est grave pour notre pays. C'est grave. Il faut que ça change. Bala Samoura, il faut changer. Amara, il faut changer. Ousmane Doumbouya, voici encore un vipère. Ça dit, tous ces gens dont on parle, lui aussi, il n'y a pas plus pire que lui. Ça dit, c'est l'invisible, c'est le mal, c'est le résumé du mal. Ousmane Doumbouya, dont on dit là. Mais vous allez payer, hein, l'argent que vous avez gaspillé du côté de Anaïm. L'argent que vous avez fait sortir du côté de Anaïm. Allah Blalou Kouna, Ousmane Doumbouya. Même s'il y a un changement de régime, vous partez en Europe, vous partez à Dubaï, wallahi, vous serez extradé en Guinée. Vous serez extradé. Al-Kawarim tient, imaginez. Al-Brad dépense Mika plus de 500 milliards. 500 milliards. Même on pouvait faire, comment, 500 kilomètres de route avec ça. 500 kilomètres de route. Si le CNRD, je ne parle pas des projets du président Alpha Condé, mais Anaïm, l'argent que vous avez gâté là, si vous avez pris cet argent, allez butumer les préfectures de l'intérieur. Je crois que même nous, on n'allait même pas parler. Personne n'allait parler. 500 milliards, vous avez délapidé cet argent en faisant quoi? Que vous allez faire des projets de
de construction ou je ne sais quoi. Où sont ces projets-là? Kadjamana Wari Takaro tient. Vous venez trouver de l'argent. Kawari la Sabati. Gérer cet argent-là, vous refusez. Parce que la souffrance, la misère sur les Guinéens. Maintenant, on essaie d'augmenter les impôts, les opérateurs économiques. Vous savez, dans six mois, il y a 6 mois, je vous avais dit, beaucoup d'opérateurs économiques, quand ils sont en Guinée, je vous ai parlé de cas des mines. Si ces opérateurs économiques sont en Guinée, l'argent est dans nos banques, l'argent circule, il y a l'activité dans le pays. Vous n'avez pas compris. Allez-y aujourd'hui, Zéré Corée. Cancan, des gros villes fantômes, il n'y a pas d'activité. Vous faites fuir les opérateurs économiques. Pourtant, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Regardez aujourd'hui. Le port de Conakry, au temps du président Fakonde, 24 heures, plus de 350 conteneurs qu'on pouvait faire sortir. Mali, Sierra Leone, Libéria, même des Ivoiriens venaient au port de Conakry. Qui gagnait? C'est pas l'État guinéen. Si la douane, un conteneur était à 1000, vous avez 350 conteneurs. C'est pas l'État guinéen qui gagne. Et ceux qui viennent en Guinée, qui logent dans les hôtels, c'est pas la Guinée qui gagne. Ils achètent à manger, ce n'est pas la Guinée qui gagne. Ils achètent le carburant. Mais à cause de vous aujourd'hui, tout est mort. Toutes ces activités-là. Parce que vous avez augmenté les tarifs, les opérateurs. Et vous avez même forcé, à l'époque, j'ai parlé de ça, l'année passée. Ils vont même dans le compte des gens pour prendre l'argent par force. Ces opérateurs économiques, ils ont dit, ok. Et comme c'est ça, ils sont allés en Sierra Leone. Ce qu'on importe, on faisait venir en Guinée aujourd'hui, ça vient du côté de Sierra Leone. Un manque à gagner à l'État. La douane. Ah, vous aussi. On vous a expliqué. Ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne vous aime pas? On vous a expliqué ces mécanismes pour que vous réfléchissiez. Moi, au temps du président Alpha Condé, je vais vous faire une confidence. Moi, je vous ai dit, moi, j'aime mon pays. Hein. Quand ils avaient dit les véhicules de 8 ans ne vont plus en Guinée. D'abord, la douane perdait beaucoup d'argent parce qu'il y avait moins d'activité. Et qu'est-ce que les transitaires faisaient? J'ai côtoyé des transitaires ici et par hasard, ils m'ont expliqué leur mécanisme qu'ils mettent transit. Au lieu que le véhicule part en Guinée, on dédouane, ils mettent transit et le véhicule passe par le port et le véhicule ne sort même pas de Conakry et il s'arrange là-bas. Au lieu de payer 15 millions à l'État guinéen ou 20 millions, ils vont s'arranger peut-être payer 7 millions, 6 millions, trouver des papiers. J'ai appelé à l'époque le patron de la douane pour lui dire, ah, monsieur, peut-être que vous ne voyez pas venir, hein, mais vous allez perdre beaucoup d'argent. Je lui ai expliqué. Et il m'a donné raison. Si vous vous rappelez, à l'époque, au lieu de 8, ils sont remontés encore. Moi, j'ai fait ça. Ça, j'ai fait ça pour ne pas que la Guinée perd, pour ne pas que les gens souffrent. Mais le CNRD, quand on parle ici, ah non, qu'on est contre. Continuez. On m'a faussé. Je vous ai dit, le peuple va sortir. Le peuple va sortir. Vous avez vu au Mali, non? Vous avez entendu? Les Maliens ont dit non après le Ramadan. Ils ont fait communiquer qu'il n'y a pas d'activité. Qu'il n'y a pas d'activité politique. Vous pensez que vous êtes fort? Achetez les armes. Achetez des munitions. Achetez tout ce que vous voulez. Eh non, mais le peuple de Guinée ne va pas rester indifférent. Vous avez enlevé des gens. Ils sont tous conscients. On parle de courant. On dit non, au temps du président Alpha Condé, il y avait le courant. Pourquoi vous êtes incapable de faire ainsi? Je vous ai dit, il n'y a pas d'argent. Le bateau aujourd'hui, il y a un problème. Depuis longtemps, le bateau devait venir. Je vous ai dit, il y a un problème d'argent, de gestion. Le CNRD, c'est des bambatoumani. Vous avez un cadre, un vrai intellectuel, même s'il prend dans les caisses de l'État, c'est de façon modérée. Il ne va pas le faire comme les gens du CNRD. Regardez-les. Ils sont dans des véhicules de luxe. Ils achètent des G-Wagen, des véhicules qui coûtent cher. Mais les tontons là, même s'ils prennent, tout le monde profite, hein, du système. Mais d'autres le font de façon modérée. Mais pas comme le CNRD. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils prennent tout à la fois.
Regardez aujourd'hui les ministères partout. Tous les contrats qu'on doit donner à des privés, à d'autres Guinéens, pour que l'argent circule, il y a l'activité dans le pays, c'est encore les mêmes, les ministres et leurs proches qui ont tous les contrats. Pourtant, on est venu ici, on a raconté toutes sortes de salades au peuple de Guinée ici. Voilà les contrats de gré à gré. Si les contrats de gré à gré existaient au temps du président Fakonde, supposons on va prendre 10%. Mais sous le CNRD aujourd'hui, c'est à 90%. Tellement que c'est des bambatoumani. Un contrat qu'on doit donner, on vient faire appel d'offres. Non, ils font tout. L'argent reste avec eux. Et comment est-ce que le peuple, là, ce peuple peut être content de ce gouvernement? L'argent doit être distribué. Vous ne voulez pas le faire. Alto mena, mbra falinyane, mbra kumalinyane, altanyaye là. Mais anyawa matou, je vous ai dit, après le mois de Ramadan, vous allez sentir. Mais je vais dire à tous ceux qui sont en train de dire, il faut accepter la main tendue. Le grand débatteur doré, vous êtes des jeunes, assumez-vous. J'ai beaucoup d'estime pour vous, Diabaté Doré. Vous voulez être comme des Sonko? Assumez-vous. Il faut faire des sacrifices. Mais si vous voulez emprunter le chemin facile, c'est vous qui allez perdre. Vous allez, vous voyez, vous dire, ah, l'autre route là, elle est longue. Je ne vais pas emprunter ça. Je veux faire un raccourci. Vous allez faire ce raccourci, vous allez tomber dans le trou. Vous savez tout ce que le CNRD a échoué. Vous savez que Mamadi, même si le coup d'État devait réussir, ne devait pas lui seul composer ce gouvernement. Il est qui? Mamadi est qui? C'est les hommes qui nous gouvernent, car c'est le peuple qui fait son choix. Vous étiez tous là, au lieu de dire non, il faut un gouvernement d'union nationale. Vous ne l'avez pas fait. Les présidents Fakonde, ils l'ont fait avec les dadistes. Ils se sont imposés. Paix à son âme, tonton Jean-Marie Doré était le premier ministre à l'époque. C'est pourquoi on a organisé des élections. Un parti politique a pris le pouvoir. Mais s'ils avaient eu peur, on n'allait pas organiser des élections comme les bandits sont en train de le faire aujourd'hui. Assumez-vous. Nous sommes plus nombreux. Peut-être qu'eux, ils ne comptent que sur les balles. Ils ne frayent personne. On les a dit, ça ne passera pas. Leur chat, tu ne peux pas violer. Ils ont dit que le président Fakonde n'avait pas droit au troisième mandat. Est-ce que Mamadi et son équipe peuvent nous parler que Mamadi va rester? Et au 21e siècle, avec tous ces intellectuels dans le pays, nous, on va s'asseoir quand c'est Mamadi le président de... Alte Maluya. Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas la situation du pays? Vous, les escrocs aujourd'hui, des gens qu'on paye aujourd'hui, et vous aussi. Même si vous dites que non, le FAMA ne vient pas, il n'y a pas de problème. Mais qu'on organise des élections en Guinée, que le Guinéen qui mérite soit à la tête. Non, mais pas à travers les armes. Qu'est-ce que Mamadi va apporter à la Guinée? Et Altal Samari, Alte Hankiri Soro, à cause de vos miettes. Et surtout nos parents, Ibrahim Enaloula, et Anyere Kanou, pouvoir aller, Bala, pouvoir Kana Bamburu, des nafigi comme ça. Ni na figuiate. Eh, man kadem dul al tema loyala. Man kadem dul tema loyala. Man kadem dul tema loyala. Là, ça n'a compté pas à son âme. 24 ans, gene kaouri. Qui s'est levé, kafoko a dit, là, ça n'a compté boy. Ni tchètre al dit, ni surasi farit al dit. Gene kake, personne. Président Fakonde kala seke, kasabari. Même là, ça n'a compté pas à son âme. Il est allé kata kadouaou ka kaburu koka. Le président Fakonde l'a fait. On l'a mis en prison ici. Malou fisri l'on balilou. J'ai dit, hein, m'kwanyo djoto broro kasodi. Albra, vous les ethnos là. Qu'est-ce que le président Fakonde n'a pas fait pour vous? Les autres peuvent parler. Mais aucun jeune malinke ou mankado, kadoukouma président Fakonde ma. Ko président Fakonde ma fouike. Allez-y voir la ville de Kankan. Nko moi, villa berbere, nko kena Fakonde terero. Mankadelo. Nko kankaso ka goudron brebre lusro ka courant poton lusro nko président Fakonde bâtiment administratif lo beka jamanalo aljole bikal fofeu aljole chef d'état major des forces armées namori mankadente le ministre de la défense à l'époque yann coup d'état eke genetere dané kankaka l'était
Le commandant de Bata, c'était qui? Ce n'était pas l'autre là, M. Keïta. Commandant des forces spéciales, Guénétrey. Al-Brasila, Al-Tato. Président Fakonde Hake. Ou le Sekouturé à l'époque, il avait dit Kafria le bas Kafriate. Allez à la Kafria le Dabla. Allez Maluya. Allez à Makou. Makou Kafisani Djanfay. Man ka den fos te se fos fola président Fakonde man. Nikaye, les traites là, nkal ka fankata fanka le dinaluma. Le père de Amara était le chef d'état-major, père à son âme. Général Diarra, le dernier chef d'état-major de feu général Lassana Conté. Amakou de Takala. Amakou de Takala l'oncré. Il avait l'avantage tout devant lui. Il pouvait prendre le pouvoir, mais il ne l'a pas fait. Parce que à la serment. Nalou manamana mou lou kenayou si mou lou nyakoro. Ko non non non. Présent Fakonde ma fosse man kalou nye. Alou djou le feu. Alou djou le. Mais Albeda Santibi. Je vous ai dit. Si on fait la part de la souffrance aujourd'hui en Guinée, la souffrance on répartit entre les communautés en Guinée aujourd'hui, Mankalou 45% de souffrance au Yalouboroubi. Ce n'est pas les autres qui ont fait, c'est vous-même, Aldenke. Moi aussi, Makede, personne ne l'a fait, c'est votre fils. Altena Fala, quand la souffrance, quand la Troya, quand Sababou, Flaloulé, quand Sababou, Sosolé, quand Sababou, Bresselé, Et tous ceux qui décident aujourd'hui au sein du CNRD, quand vous prenez les dadis, dadis son numéro 2 c'était qui? C'est Kouba Konaté. Les Tchogro étaient là, père à son âme, général Toto, ils étaient tous là. Il y avait toutes les ethnies confondues dedans. Mais regardez le CNRD. 4 personnes qui décident. Et même les civils, à Bemanka. Je dis bien, à Bemanka. Il faut avoir honte et fermer vos gueules à un moment donné. Allez, datou. Personne. Mon site n'était manqué le compte là-dedans. Regardez aujourd'hui la situation du pays. Mamadou Doumbouya, Amara, Idi Amin, Bala Samoura. Même les civils qui décident. Vous entendez le nom de qui? Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, Ahmed Durak. Tous ces gens-là, Alian Toli maintenant. Vous avez entendu un Bari, un Koivogi. Un Souma, un Bangoura, vous avez entendu? Al kete mou fala mou l'yene. Mais président Fakonde Téré, moi si moi au fond, akala politique à Kenyama. Akala politique à Kenyama. Batama solo, big up lou. Ba Ousmane, betraro. Betre, sou bedoli yila. Ala la yene, tonton Koli, kundianol la. Président Fakonde katakele, ama man kalou mangbeya. Mais ce que vous vous êtes en train de faire, Nalumana man kalu mangbeya al nanumuna. Ni troya y mol kokabi, troya mi man kalu koka wea djou ni betaye. Donc alia han krisura, arrêtez d'emmerder les gens. Hein? Donc, moi je vous dis, arrêtez vos conneries là à un moment donné. Donc, il faut arrêter, je vous ai dit, parlons de mérite. Cette histoire de communauté ou quoi, mettons de côté. Le Guinéen qui mérite, le Guinéen qui mérite. Tu peux apporter quelque chose à la Guinée. S'il y a le courant, il y a pas, il y a le courant du peuple. Hein. Le courant, c'est pour tous les Guinéens. S'il y a des bonnes routes, c'est tous les Guinéens qui vont en profiter. Le prix des darés, pareil. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ça, et c'est des confins ou quoi, des illettrés qui sont là, Anyake Hankiri là, Mamadi Doumbouya, ça dit que vous n'avez pas honte. Vous pensez que si on est là à favoriser le régionalisme, on va parler de quelle démocratie? On va parler de quel développement? Pour parler de développement, il faut favoriser le nationalisme. Nous sommes Guinéens, tout court. Nous sommes Guinéens. Pour favoriser le développement, il faut favoriser le nationalisme. C'est ça, toutes les grandes puissances là. Chine, Russie, États-Unis, partout, France, le nationalisme. Vous avez vu même les Français, dans le code, il y a des noms même, ils ne veulent même pas que ça soit dedans. Ça, ça fait partie de leur programme de nationalisme. Parce qu'ils veulent que vous voyez en tant que Français, pas en tant qu'Arabe, pas en tant que Noir, pas en tant que Tant, en tant que Français, défenseur de la patrie. Et c'est ce que nous devons faire chez nous. Mais si des gens sont là, de l'autre côté, les Malinkés, les Peuls, les Forestiers, les Soussous, et on n'a même pas ce complexe. Regardez les gens sur les réseaux sociaux. On est en train de favoriser
Le régionalisme, chacun parle dans sa langue, chacun dit Moutana Sosefene, Moutana Foulefene, Moutana Mankefene, Moutana Forestiefene. On favorise le régionalisme. Et tant qu'on est en train de mettre ça devant, la Guinée n'ira nulle part. La Guinée n'ira nulle part. Ceux qui méritent n'auront pas les postes. C'est toujours des vauriens qui vont prendre les armes dans l'arrogance. Regardez l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée. C'est toujours des vauriens qui viennent prendre, ils prennent le devant. Mais ceux qui méritent, parce que c'est ce que nous-mêmes on veut. Des gens, des illettrés, des gens qui n'ont rien dans la tête se cachent derrière leur ethnie. L'Aignol, Ansou, Ankanansou, Pouvoir et Bambro. Fla Dodina, Ode Minya, Mankaluma, Ali Mankaden Tadjama. Bressa Dodina, Ode Minya Sosoluma, Ali Sosoden Otanyama. Mais ni Moluma ou mentalité l'Ignaï. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis. Quand je les vois en Occident, en train de faire des vidéos communautaires, parler de régions, mais je me dis, mais vous vivez dans ces pays développés là, pourquoi? Vous êtes au Canada. Vous voyez comment, à longueur de journée, ils sont là en train de se battre le nationalisme chaque jour. Ils ne sont pas là à parler de régions. Ils ne sont pas là à parler de couleurs. Ils sont là à parler du Canada, des États-Unis. France, on ne parle pas d'autre chose. Mais les gens ne comprennent pas.